Tournez maintenant à droite dans la rue Hortz et marchez jusqu'au prochain carrefour. Dans le temps de gorgée, le verre était vide. Hein. 47, la même chose. Moitié champagne, moitié vin blanc, c'est quoi? Un alve. Les habitudes. Hein. Bonne descente. Hein. Et jamais malade. Hein. Jamais. Hein. Mais c'est dans le vénal. Jamais titubé. Hein. Jamais. Sur votre gauche, le café du Coq. Ben, j'ai toujours été élevé dans un établissement aussi. Hein, là. Oui, ma mère était cafetière. Hein, on appelle ça un cafetière. Et puis, le Beurs ou Beurshober, théâtre de la Bourse. C'est une ancienne brasserie flamande. On y brasse toujours les composants de la culture flamande de la capitale. Le Beurs, c'est le théâtre, la musique, le cinéma, la vidéo, la danse. Le Beurs aime bouger et faire bouger. C'est très bien que ça existe. D'ailleurs, en plus, c'est justement le concept qui s'est commencé par être flamand, mais je crois qu'ils ont une ouverture d'esprit beaucoup plus large que ça. Et je crois qu'ils voulaient vraiment réanimer la quartier, réanimer les centres-villes, tout le côté métissage des choses. Et aussi le niveau de leur programme, ils essaient de choisir les choses assez bien pointues et rester plutôt accessible à beaucoup de gens. Donc je trouve ça très très important.